Bonjour Philippe et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. À vous deux. Voilà, Philippe, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchanté, Emmanuel. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant, bien sûr, par la santé. Alors, par la santé. La santé, ce qui me préoccupe depuis plusieurs années, c'est diabète, hypertension et un kyste biliaire au foie dont j'ai été opéré une Alors, fois. tu vas trop vite, j'ai pas le temps de noter là. J'en suis à diabète, tu vois. Alors, diabète, Diabète, hypertension et hypertension, énorme kyste biliaire. kyste biliaire, d'accord. Donc, si ça, personne ne sait d'où ça vient. On m'en a enlevé un qui faisait 5 kilos il y a 10 ans. C'est pas vrai. Et celui-là, il doit faire, je crois, un petit kilo. Truc comme ça. Ok. Très bien, ensuite. Alors, au niveau santé, asthme, difficulté respiratoire. Et puis, c'est. Bon, après, c'est de l'arthrose, mais à mon âge. Non, mais il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Arthrose, ok. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me chiffonne? Ben, pas grand-chose. Les Ah bon? yeux, ben, les yeux, oui. Tu m'as dit qu'il y en avait. Tu me disais qu'il y en avait Oui, 10. ben, j'ai une oreille qui. En fait, je n'entends que d'une oreille depuis que j'ai 3 ans, suite à une otite mal soignée. Et Donc, j'ai perdu. c'est Alors, laquelle que tu n'entends j'ai pas? perdu la droite. Par contre, la gauche, c'est plus développé que normal. Mais oui, d'accord. Ok. Et Donc, les en yeux, fait, c'est quoi? j'entends. Oh ben, les yeux, c'est Perte de les vue. écrans, c'est la fatigue. Je pense que c'est Non, l'âge mais aussi. tu ne me donnes pas l'interprétation. C'est quoi? C'est une perte de vision, c'est ça? Oui, c'est une légère perte de vision. Ouais. Ok. Donc, pas d'explication, pas de supposition du tout. Tu me dis seulement le symptôme, hein, ou la défense. Ok. Ensuite. Ensuite, je me scanne et c'est tout. D'accord. Alors, les six autres questions. La première. Alors, la première, c'est quelle est ma mission d'âme? J'ai beau faire des méditations et j'arrive pas à déterminer le pourquoi, le comment, enfin, ce que je dois faire. Alors, j'ai été magnétiseur pendant un temps, je le suis toujours, hein, mais je ne pratique plus. Donc ça, c'est ma première question. Deuxième question, j'ai essayé de faire des sorties corporelles, des sorties astrales, avec tout plein de méthodes. Impossible. Mais quand je dis impossible, c'est impossible. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que au niveau... Alors, je me traîne peut-être pas mal de casseroles aussi au niveau ésotérique, parce que j'ai été franc-maçon, j'ai été martiniste, j'ai été rosicrucien, et j'ai abandonné tout ça assez brutalement en me disant que j'étais suffisamment apte à faire mon chemin tout seul. Et puis, bah, pas du tout. Enfin, pas du tout, je dis pas du tout, mais il y a des évolutions qui sont faites, mais c'est pas à la hauteur de mes attentes. Mais c'est quoi la question? Parce que du coup, bon, La tu me disais, question, c'est qu'est-ce qui me bloque? qu'est-ce qui te bloque dans ton évolution, c'est ça? C'est ça. Ok. Ok, ta quatrième question. Alors, après, je suis né le 29 septembre. Quelle est ma relation avec l'archange Michael? C'est la Saint-Michel, hein? Alors, né 29 septembre. Quelle relation avec l'archange Michael? Donc tu sollicites des anges, des archanges, c'est ça? Bah, quand je travaillais mon magnétisme, j'appelais souvent l'archange Michael, l'archange Raphaël, Métatron, et de temps en temps Maître Philippe de Lyon. C'était mes supports. Donc dans les soins, ok.
Donc là, tu m'autorises à aller voir tout ça et voir ce qui se passait quand tu te connectais à eux, Tout à à fait. connecter tout ça. Tu es ouvert aussi à plein de choses aussi, la remise en question, tout ça pour Oui. toi. Hein? Ah oui, tout à fait. Bien. Ta cinquième question? Alors, quel nombre d'incarnations j'ai pu faire? Bon, là, tu gaspilles tes cartouches, ça sert à rien. Ça Savoir sert à rien. combien tu as les Alors, 15, ça sert à oublie. rien. Tu auras Oublie. des juste utile pour le travail que tu as à faire aujourd'hui, tu vois. Eh bien, j'ai fait un travail sur mon père. J'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur et j'ai brûlé le papier, tout en finissant avec un pardon pour lui. Ouais. Et j'ai eu l'impression que ce petit rituel que j'ai fait a eu des incidences sur tous mes ancêtres. J'aimerais savoir ce qu'il en est. Ok. Et Donc. puis, cette foutue matrice, je cherche toujours quelle pilule prendre, la rouge ou la bleue, j'en sais rien. Ok. Alors, tu peux en parler un peu plus? Tu parles de travail de pardon avec ton père. Justement, il y a peut-être des choses à voir. Qu'est-ce Alors, que. moi j'ai rédigé 3 pages Non, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Qu'est-ce que Oh, tu as bah, qu'est-ce à qui lui s'est pardonner? passé? C'était un enfoiré de première, donc Ouais. pédophile avec ma sœur, Ah. avec moi aussi un peu, bien que je n'ai pas subi d'attouchement personnellement, mais il était voleur, tricheur, râbleur, joueur. Enfin bref, j'ai tout craché dans ce document. Puis j'ai dit finalement. C'était ton incarnation, c'était toi, c'était ta vie, et tu pouvais peut-être pas faire autrement, donc je te pardonne de tout ça. Il était mort, hein, quand j'ai rédigé ça, Oui, j'ai compris. mais voilà. Et j'ai eu l'impression de me trouver à un moment donné dans un rêve éveillé, enfin un rêve bien lucide, de me retrouver entre deux miroirs et d'avoir une perspective. Mais c'était pas moi, c'était tous mes ancêtres. Et je les voyais en blanc. Et je ne sais pas si ce rêve a une consistance particulière. On verra tout ça. Ok. Ça, c'est des questions importantes, tu vois. Oui, je me doute. Ok. Alors, je regarde ce que j'ai rédigé Allez, aussi. une dernière question. La plus importante, hein, choisis-en une bien. Ta 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 Alors moi, ce que je cherche, c'est de faire la fusion avec mon soi supérieur. C'est mon objectif. Maintenant, est-ce que j'y aboutirai dans cette incarnation? J'en sais rien. Voilà ma dernière question. Ok. Alors, on va passer aux invités. Qui veux-tu inviter alors? Ah, bah, qui je veux inviter? Mon fils qui est Alors, non. décédé. Alors, ça, les désincarner avant, après, mais Ah bon, d'abord les ceux qui. incarner. Oui. Alors, bah, ma compagne Brigitte. Alors, tu cites pas les noms, elle sera peut-être pas d'accord. Hein. Oui. Voilà. On dit ta compagne. Bon, là, on va laisser pour l'instant, mais t'en cites pas plus. Hein. Ouais. Donc ta compagne et sa famille, bien sûr. Oui. C'est la mère de ton fils? Ah non, pas du tout. Non, non. D'accord. Moi, On j'ai eu invite la mère de trois mariages, trois divorces, et là, ton fils ou pas? elle est. Oui. Oui, Oui. tout à fait. Oui. Ok. Tu veux inviter tes ex aussi ou pas? On peut inviter mes deux autres ex, oui. Voilà. Et deux autres ex et leur famille. Oui. Voilà. Après, tu as des frères et sœurs. J'ai une sœur avec qui je suis fâché, fâché. Ah, Enfin, ok. elle est fâchée, elle est très très fâchée. Et du coup, D'accord. moi, j'ai laissé tomber. Voilà. Donc, ta sœur et sa famille, c'est bizarre que tu n'aies pas mis dans tes questions, tu vois. Oui, mais c'est vrai. Mais. Ok. Maintenant, si tu veux, on peut supprimer la mission d'âme et puis. Mettre cette problématique de ta sœur. Oui, par exemple, oui. Parce que mission d'âme, autant te dire tout de suite,
Enfin, tu comprendras tout à l'heure. Bon, tu verras. D'accord. Ah. Allez, on va supprimer ça plutôt parce que ce n'est pas une question. Donc, relation avec ta sœur. Donc, c'est ta sœur avec toi qui a coupé les ponts. Oui, oui, oui. À plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'elle te reproche? Alors là, je crois qu'elle m'a reproché d'avoir une meilleure situation que la sienne, de gagner beaucoup plus d'argent qu'elle. Jalousie? Jalousie? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Une vraie jalousie. Oui, oui. Clairement. Ouais. Ok, bon, on verra ça. On verra. Et donc, ben, elle fait partie de la problématique avec ton père aussi. Ben oui, c'est lié. Hein? Tout à fait. Bon, on verra. Alors, ta sœur et sa famille, elle a fondé un foyer, je suppose? Oui, elle a eu 3 filles. D'accord, pas besoin de détails. Hein, trois filles, elle a eu, mais elle est divorcée. D'accord. Donc, tes deux parents sont décédés ou, Oui, tout à fait. Ok. Alors, après, on dit famille en général. Hein? Oui. Après, il y a des personnes que tu veux inviter, des amis, sans les nommer, attention. Hein. Oui. Tu as des amis de cœur? Ah, oh, ben, j'en ai pas mal. Alors, tes amis de cœur, voilà. De cœur et leur famille, bien sûr. Hein. Après, il y a des relations, collègues, que tu veux inviter? J'aimerais inviter le fils et le petit-fils de ma compagne. Ah ben, c'est ta compagne, c'est compagne et sa famille, c'est compris. Voilà, donc tu y es, ok. Les amis de cœur, oui. Amis de cœur, ok. Tu as des animaux? Oui, une petite chatte et 3 poules. Chatte et 3 poules, ok. Et puis les animaux de tout le monde, s'il y en a ailleurs. Hein? Oui. Ça, c'est pour la douche. Alors, pour les deux désincarnés, tu choisis qui? Alors, pour les deux désincarnés, bah, je choisirais mon fils et alors, j'hésite entre ma mère et mon père. Alors, vu que tu as un passif avec ton père, si je peux me permettre, vas-y. C'est mieux que ce soit avec lui, tu vois. Eh bien, oui. Ben, enfin, toi qui vois. Oui. Non, mais c'est la tendance était plutôt vers lui. Ouais. D'accord. Eh bien, je te laisse couper le son et nous partons pour ton aventure. Alors, je coupe le son, comment je fais? À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 41 200. À 41 200, tu te sens hors de portée, en sécurité? Oui. Bien. Connecte-toi à moi, dis-moi, combien tu me vois? 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Philippe. Dis-moi comment tu le perçois. Il y a une sorte d'énergie gluante qui est sur lui, tout autour de lui, qui ne lui appartient pas. Ça vient bloquer ses connexions, sa circulation d'énergie. Ça vient comme engluer en quelque sorte toute la circulation d'énergie dans sa sphère d'énergie et sa connexion tertielle aussi. Ça vient comme l'isoler. C'est comme une sorte de brouillard collant qui est là sur sa sphère d'énergie et à l'intérieur aussi entre ses corps subtils. Ça vient les entourer, les compresser. Et au niveau de la partie physique, ça vient engluer oui, tout ce qui est circulation d'énergie et même tout ce qui est information biologique. Donc ça oblige l'élémental du corps à se rééquilibrer, à faire des efforts en quelque sorte, à puiser dans sa propre énergie pour se remettre à niveau en quelque sorte d'un point de vue énergétique. Il y a comme une sorte, c'est comme s'il était sous une sorte de projecteur, c'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il y a un œil qu'il regarde, un œil immense. Et chacun de ces états d'être est scruté par ce regard-là, par cette attention-là qui est au-dessus. Cette sorte d'œil est reliée à lui par un système GPS. Qui est situé au niveau du troisième œil. Il y a comme des sortes de
pastille, noire, ronde, parfois légèrement ovale, qui sont placées sur son corps vital. Alors, il y en a au niveau des 7 chakras principaux. Et il y en a comme 2 qui viennent le compresser sur les côtés, au bas des côtes. Ces deux-là, elles viennent... c'est vraiment sur le côté, là. À droite et à gauche. Et c'est comme 2 aimants qui communiquent l'un avec l'autre. Ça sert à le maintenir là, à maintenir la conscience dans le corps physique. Qu'est-ce que c'est que ça cause comme problème ? Ça vient effectuer comme une sorte de je sais pas, de brûlure ou d'inflammation dans cette zone-là. Au niveau de la digestion, ça vient créer comme une sorte de goulet d'étranglement. Le kyste là, qui là, c'est directement lié à ça, c'est une réaction de défense de l'élémental du corps. Ok. Donc c'est vraiment comme une sorte de, je sais pas, d'aimant électromagnétique avec deux pôles, voilà, qui le maintiennent là. Parce que la conscience en fait cherche. Est parfois fatiguée et cherche à s'échapper du corps. Parce qu'il y a une différence de fréquence entre ces différents corps, entre sa partie physique, entre les corps subtils, mais aussi avec d'autres parties de lui-même plus subtiles, ce qui conduit la conscience à ne pas se sentir bien dans ce corps-là, dans cette incarnation-là, ressentie comme une prison. Mais cette sorte de, je ne sais pas comment appeler ça, d'électro-aimant, maintient la conscience là dans le corps. D'accord. C'est le maintien artificiellement. Okay. Ces sortes de pastilles noires, il y en a une au-dessus et une en dessous, c'est-à-dire une au niveau du coronal et une juste en dessous de ses pieds. Là, ça vient, alors pas bloquer. Pas bloqué complètement, mais modifié et abaissé ces connexions tertielles. Et au 7 chakra, c'est les causes qu'il y a de problème ? Ça fait baisser ses fréquences. Les connexions aux 7 chakras principaux, mais aussi aux chakras secondaires, mais dans une moindre mesure. Là aussi, c'est le système de contrôle pour que la conscience reste rattachée là, au corps physique. Ça vient abaisser ses fréquences en général. Ok. Que vois-tu d'autre ? C'est comme s'il y avait vraiment une difficulté de se maintenir là dans le corps physique. Et pour le corps vital, ça cause quel problème ? Ça vient en abaisser les fréquences. Ok. Vois-tu autre chose ? Directement sur lui, c'est tout. Après, ce sont des conséquences. Oui, vas-y, parle des conséquences. Mais c'est en fait ce qui est impacté principalement, c'est la gestion de son énergie vitale et l'équilibre électrique et magnétique. C'est okay. Tout cet ensemble-là qui vient influer sur tout le reste qui est impacté. Ok, alors on va regarder qui est à tout ça. Il y a une entité reptiloïde qui est en arrière-plan, au-dessus, et qui est, on va dire, derrière cet œil-là, qui est au-dessus de lui, qui pourrait être comparé comme une sorte de microscope. Cet être-là, l'observant au travers de cet œil-là, de cette sorte de microscope. Ce reptiloïde qui l'observe à travers cet œil. D'accord. Il est tout seul ou il y en a plusieurs de reptiloïdes ? Directement relié à lui, il est tout seul. D'accord. Il n'y a pas une hiérarchie au-dessus de lui
en lien avec... Il y a une hiérarchie de type scientifique, hein, comme une sorte d'équipe de scientifiques avec une hiérarchie au-dessus, oui. Voilà. Donc, on peut les inclure aussi, alors. Ils sont combien? Dans cette équipe-là, il y en a 15. Avec en plus, au-dessus, comme une sorte de responsable de programme. Combien? Un seul? Un seul pour l'équipe de 15, oui. Ok. Et c'est de quel type responsable de programme? C'est responsable de programme d'expérimentation sur l'humanité. Ok. Non, mais le responsable, c'est quoi? Reptiloïde? Oui. Ok. Et au-dessus, il y a encore quelqu'un ou pas? Au-dessus, c'est de type draconien, les énergies qui s'y trouvent, mais qui ne sont pas reliées directement. C'est comme si pour cette faction-là, en tout cas de Draco, l'humanité est une question secondaire, l'humanité terrestre. D'accord. Mais draconien profite de la recherche de l'équipe scientifique et de l'intervention du reptiloïde. Oui. Donc on peut dire qu'il est directement impliqué. Enfin, indirectement. Oui. Donc, on peut l'inclure. Oui. Voilà. Et au-dessus des draconiens, il y a encore d'autres. Après, c'est le système archontique. Oui. Voilà. On va aussi l'inclure de toute façon. Il sera inclus de toute façon d'office. Bien. Et c'est quoi l'objectif de ces entités, alors? Pour ces êtres-là, les êtres humains incarnés, je veux dire les biologiques, les êtres biologiques hein, que nous sommes, sont considérés comme des rats de laboratoire. Il y a des modifications d'ADN éthérique, principalement, en tout cas qui sont faites sur le groupe-là. Oui. Dont il fait partie, puisque dans cette équipe de 15 scientifiques, chacun a son humain auquel il est rattaché. D'accord, donc l'ADN éthérique a été modifié de Philippe. Oui. Quel pourcentage? 4. Et les apports extérieurs ou c'est que des modifications? Il y a 1% modifié, les 3% restants sont des apports extérieurs. Quel type? Reptiloïde et grand gris. Ok. C'est les causes, quel problème ça? Ça intervient à tous les niveaux. Ça vient abaisser le taux de vitalité et de régulation automatique du corps physique. Et ça vient apporter des difficultés d'être là dans l'incarnation. Ça vient apporter des vulnérabilités psychiques, émotionnelles et mentales. Ok. Bien. Et donc, en ce qui concerne Philippe, exactement, mais c'est quoi leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire alors? À créer d'autres souches d'humanité différentes. Oui. Qui auraient quelles caractéristiques? Ça dépend des programmes. Oui. L'objectif, c'est la création d'autres groupes buissonnants d'humanités différentes. Donc, soit qui ont plus de résistance physique, soit qui ont plus de résistance psychique, soit qui sont plus malléables et dociles. Ben, il y a plusieurs objectifs différents. D'accord. C'est en vue d'habiter ces corps après ou simplement de s'en servir, de les manipuler? Et les deux types d'objectifs coexistent. D'accord. Et en ce qui concerne particulièrement Philippe, c'est quoi leur objectif? De pouvoir entrer et sortir hein, au niveau du chakra coronal. Entrer et sortir dans le corps. Ok. Ils ont déjà réussi? Non, pas complètement, parce qu'il y a comme une sorte d'entonnoir au-dessus du coronal. Mais qui est installé par la partie subliminale de Philippe lui-même. Cet entonnoir, c'est comme une sorte de filtre pour empêcher, ou en tout cas ralentir et bloquer au maximum, ce type d'intrusion. D'accord.
Bon, ok. Bien, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui la toute première fois. 1, 2, 3. Depuis 11 incarnations. 11 incarnations. Comment s'est produite la première fois ? Il y a eu comme une sorte de réponse à une demande. C'est-à-dire ? Une demande de pouvoir supplémentaire. Alors, on est où, à quelle époque et dans quel contexte ? Dans la région qui est la Bretagne maintenant, la pointe un peu au nord. Il est comme une sorte de druide ou quelque chose comme ça, en tout cas en relation avec l'invisible. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une sorte de... On pourrait appeler ça un pacte, hein, qui a été fait. Une nuit d'orage, parce qu'il y a quelque chose en lien avec l'énergie de l'orage. Oui. Et ce qu'on retrouve maintenant dans le déséquilibre électrique et magnétique en lui. D'accord. Alors, quand il fait ce pacte, avec qui il pense faire ce pacte ? Avec les entités invisibles avec lesquelles il travaille habituellement. Et il pense que c'est qui ? Des forces puissantes qui l'accompagnent et qui l'aident. Ok. Donc, il n'en connaît pas la nature, l'origine, l'identité ? Non, il sait simplement que ce sont des entités puissantes, invisibles, et qui l'aident et qui le soutiennent. Ils lui donnent de la force et de la puissance. Ok. Et toi, de ta perspective, qui vois-tu ? De qui s'agit-il ? Il y a deux types d'êtres, principalement. Il y a des entités démoniaques et ces entités reptiloïdes-là. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé alors lorsqu'il fait ce pacte dans cette nuit d'orage ? Il fait un pacte avec des entités démoniaques et ce pacte-là a été récupéré par ces entités reptiloïdes. C'est-à-dire que les entités reptiloïdes, elles sont là un petit peu comme observatrices au-dessus et opportunistes des situations de vulnérabilité. Et elles sont opportunistes en quelque sorte dans le sens où elles sont à l'affût de ce type de pacte-là pour les récupérer pour leur propre compte. C'est-à-dire que lui pense faire un pacte avec un type d'entité, avec donc lesquels il a en quelque sorte l'habitude de travailler, mais au travers de ces entités est maîtrisé par ces êtres-là. Il y a ces êtres reptiloïdes qui sont en arrière-plan et qui sont les maîtres du jeu. Ok. On est à peu près à quelle époque là ? C'est l'époque romaine. Oui. Je ne sais pas quelle époque c'est, parce que toutes les lignes de temps sont brouillées et décalées. Et en plus, ça se superpose. D'accord. Bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Donc, il consiste à quoi ce pacte, du coup ? En tout cas, il y a bien la présence romaine qui est là en arrière-plan. Il accepte d'être entouré, il accepte que ce que l'on peut appeler l'âme et la conscience, c'est les deux, dans le sens où l'âme est le réceptacle de ses mémoires et de ses connaissances. Oui. Donc ceci plus sa conscience, il accepte qu'elle soit entourée, récupérée et protégée. Du moins, c'est dans ce sens-là qu'il fait le pacte pour avoir plus de pouvoir et de puissance. Et dans les mondes de l'invisible et dans le monde du visible. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Pendant l'incarnation concernée, il a plus de puissance, notamment d'un point de vue de la guérison. Il est puissant.
Mais au moment de la désincarnation, il y a ces êtres-là qui attendent le retour, en quelque sorte. Ok. Et alors ? Donc, une fois qu'il se désincarne, qu'est-ce qui se passe ? Il est entouré comme... il est aspiré et entouré par ces êtres-là démoniaques qui, par une sorte de phénomène automatique, le placent devant et sous la coupe des entités reptiloïdes, celles qui sont toujours là, présentes aujourd'hui. Donc, il est affecté à un des êtres de l'équipe. C'est celui de l'équipe de scientifiques. C'est celui qui est toujours là, présent avec lui. Ok. Et depuis lors, je suppose que c'est eux qui gèrent ces incarnations ? Oui. Et c'est eux aussi qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner ? Oui. Ok. Donc, je suppose que ce pacte a encore un effet sur lui dans sa vie d'aujourd'hui, de Philippe ? Ah oui, ça vient le bloquer. D'accord. J'aimerais revenir à cette époque. Donc, tu me dis que c'est une époque romaine. Alors, j'aimerais en profiter puisque, enfin, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a des théories récentistes qui disent que l'époque romaine était beaucoup moins éloignée qu'on le dit, etc. Quelle info tu peux avoir, toi, par rapport à ça ? C'est ce qui a été dit juste précédemment, c'est-à-dire que les lignes de temps se superposent. D'accord. C'est comme des traits, en quelque sorte, qui viennent se croiser, s'entrecroiser et se superposer. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut y comprendre pour un profane, par exemple ? Je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas de ligne... Le temps linéaire, en réalité, n'existe pas. Sur les points supérieurs. Et il est simplement... c'est simplement une sensation, un ressenti qui est expérimenté par nos consciences incarnées et qui est arbitrairement imposé lors du formatage, là, dès la plus tendre enfance au niveau scolaire. Bon, concrètement, si on part de notre époque ici et maintenant et qu'on remonte d'un point de vue linéaire, Mais justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Le plan linéaire n'existe pas. D'accord. Alors, il pourrait très bien être dans notre futur, du coup. Oui. Mais qu'en est-il de ces constructions qui nous restent de l'époque romaine, gréco-romaine et autres ? Elles coexistent avec nous. Et elles ont été construites à quelle époque, selon nous ? Là, tu reviens sur un temps linéaire et le temps linéaire n'existe pas. D'accord. Bon. Bon, je ne vais pas creuser là-dessus parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais ok. Donc, c'est des lignes de temps qui se superposent et qui peuvent être de notre passé, notre présent et notre futur. Exact. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui. Sauf que concrètement, on a quand même des monuments. Et cela, quand on veut les dater, comment on fait alors, du coup ? Oui, parce que c'est sur une ligne de temps en particulier. Et oui, linéaire, puisqu'elle en parle sur la 3D. Si on veut partir sur la 3D, on est humain, on est en 3D, et sur la 3D, comment est-ce que tu calcules ? Oui, mais cette 3D, ce temps linéaire en 3D n'est pas expérimenté de la même façon par chaque conscience. Donc, oui, ce qui est... Et nous croyons tous expérimenter la même réalité, alors que ce n'est pas le cas. Donc, une datation qui va être de 3001 pour une conscience qui expérimente une réalité de données, ça ne va pas être la même chose, ça peut être 10 000 ans pour une autre conscience qui expérimente une autre ligne de réalité qui vient s'entrecroiser avec la première, avec... Des phases de croisement et des phases de parallélisme. D'accord. Donc, autrement dit, on vit dans un monde d'illusions, qui a encore plus d'illusions qu'on le croit, alors, du coup. Oui. Hein ? Bien, ok. Bon, ça ouvre une porte, je dirais que ça l'enfonce, mais on va s'arrêter là, parce que, autrement, il y aurait beaucoup à faire.
Donc, si on en revient ici et maintenant, donc tu me disais que c'est les reptiloïdes qui gèrent ces incarnations et qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner. Oui. Quel type de lignée il choisit pour lui, pour l'y incarner ? D'ailleurs, même partant de là, quand on parle des incarnations imposées par ces entités-là, elles ne sont pas linéaires non plus, les incarnations. Oui, passé, présent, futur, bien sûr. Okay. Mais là, sur un point de vue ce qui peut expliquer que par rapport à un espace-temps donné, il peut y avoir un étonnement par rapport à un nombre élevé d'incarnations ou au contraire un nombre trop peu élevé d'incarnations si on le perçoit avec une vision linéaire. D'accord. Ok. Donc, il faut une vision multidimensionnelle, quantique et voire fractale pour avoir une idée en fait exact. De la réalité. Hein? Et ça englobe les passés, présents, futurs. Oui. Sauf que là, pour l'esprit humain, ça commence à bugger là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la conscience qui crée la réalité. Pas l'inverse. C'est cela. Ok. Donc, nos perceptions sont purement personnelles et sont purement des interprétations. Exact. Hein? Après, il y a des croisements de sentiments, de ressentis et d'interprétations pour qu'il puisse y avoir une connexion interhumaine notamment une aide interhumaine. Ça, pour le sens positif, ça peut être aussi utilisé dans son sens négatif. Bien. Il y a autre chose que tu aimerais rajouter ? Pas pour l'instant. C'est fort intéressant. Bon, donc si on en revient à des lignées, aux lignées dans lesquelles ils vont l'incarner, quel type de lignée ils choisissent, quelles caractéristiques ? Ce sont toujours des lignées qui ont déjà été interférées par ce type d'entité-là, c'est-à-dire qui présentent des vulnérabilités, des failles, qui sont soit physiques, soit psychiques, soit mentales, soit émotionnelles. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Philippe prennent conscience et connaissance de la supercherie, des conséquences. Oui. Voilà, ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Donc, combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur ? Dans cette boucle-là, 33. Voilà, 33 vies humaines. Alors bien sûr, si on reste dans le raisonnement multidimensionnel, c'est dans les passés, présents, futurs. Oui. Dans cette boucle-là, précisément. Et dans cette boucle-là, parce qu'évidemment, c'est une parmi l'infini. Bien, alors, en tout cas, on va regarder d'où il vient avant d'entrer dans cette source matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Il vient de la constellation d'Orion. C'est comme une sorte de chef de guerre ou quelque chose comme ça. Il est d'origine et d'apparence aussi reptiloïde. Chef de guerre, d'accord. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Il est humanoïde, pas très grand, mais il y a une disproportion de la tête par rapport au corps. C'est-à-dire que la forme du crâne, elle est oblongue et tirée vers l'arrière, et grosse par rapport au reste du corps. Les membres sont longs aussi. Et il y a cette faculté de pouvoir s'agripper partout, de se déplacer partout. C'est comme si, sous le dessous de ce que l'on pourrait appeler les pieds ou les mains, il y avait quelque chose qui lui permette de s'agripper. Donc, ça lui permet de se déplacer extrêmement rapidement. Comme des lézards, par exemple ? Oui. Et de s'accrocher partout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'être déséquilibré. Ça doit être pratique, ça. C'est extrêmement vif et rapide. Mais comme peut l'être effectivement un lézard, oui. Ok. Et là, donc, il est sur une planète dans la constellation ? Non, il est dans un vaisseau, là. Dans un vaisseau. Et il est originaire du vaisseau ou d'une planète ? Il est né dans le vaisseau. Ok. Donc là, il est, tu me dis, chef de guerre. Oui,
comme si elle était montée en grade, quelque chose comme ça, depuis l'enfance, parce que née dans le vaisseau. Donc c'est depuis l'enfance de cette forme de manifestation-là, comme il est né là, dans cet environnement-là, il en connaît parfaitement toutes les implications, les imbrications, enfin toutes les circonstances. D'accord. Et c'est plutôt une race belliqueuse, là, en tant que reptiloïde ? Belliqueuse dans le sens où il y a une nécessité de survie, cette sorte de vaisseau mère est comme une planète artificielle. Et il y a la nécessité de survie, de trouver une planète naturelle. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce vaisseau mère, il est en train de se dégrader, donc d'où cette nécessité de trouver impérativement une planète qui puisse les accueillir. Alors, si tu avances, dans les événements, alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils finissent par trouver cette planète ou pas ? Non, parce que lui, arrivé à ce que l'on pourrait appeler l'adolescence, en tout cas en termes d'évolution de conscience, il est en exploration des coins et des recoins du vaisseau. Et le vaisseau est en... Il se disloque, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones du vaisseau qui ne sont plus sécurisées. Et dans ces explorations, il arrive dans une partie du vaisseau non sécurisée. Et là, il est aspiré, capté par des factions ennemies qui guettent justement ce type de faille, qui se tiennent à proximité de ces zones non sécurisées du vaisseau et qui sont en train de se disloquer. Donc, il est aspiré à ce moment-là. Capturé par qui, alors, du coup ? Capturé, c'est comme une sorte de rapt. Ces êtres-là sont aussi reptiloïdes, mais pas de la même nature. Ils ne sont pas humanoïdes. Ils sont extrêmement belliqueux et violents. Eux, leur objectif, c'est l'élimination de toute race qui pourrait les contrer. Et eux, leur objectif, c'est l'expansion de leur territoire. Ok. Qu'est-ce qu'ils font de lui alors du coup quand ils le capturent ? Ce vaisseau-là représente comme une sorte de verrue à éliminer pour ces êtres-là, avec tous les êtres qui sont à l'intérieur. Ok. Et lui, il le récupère, il le garde en vie parce que son énergie vitale est puissante et qu'il est jeune. S'il avait été âgé, il aurait été éliminé. Il est récupéré pour aller alimenter en énergie d'autres planètes. Ou d'autres circuits, d'autres systèmes. Alors, ce n'est pas exactement alimenter en énergie d'autres planètes, c'est alimenter en énergie la matrice prison qui entoure les planètes dont ils sont les maîtres. D'accord. Quelles sont les planètes qui sont des matrices prison ? Dans notre système solaire, il y a la Terre. Et il y en a d'autres ? Oui, mais qui ne sont pas... C'est étonnant parce que ça n'est pas proche de notre système solaire, ni même de notre galaxie. C'est comme si la Terre, ça avait été une sorte de base éloignée, avec pour objectif de conquérir le reste. Les autres planètes prison, elles sont dans d'autres galaxies, dans notre univers, mais très éloignées de là où nous nous trouvons. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils font de lui, alors, du coup ? Ils l'emmènent dans l'espace terrestre ? Oui, mais pas dans l'espace terrestre lui-même directement. Dans une sorte de... C'est comme des grands couloirs, comme une sorte de circuit électrique géant qui est une partie de la matrice artificielle elle-même. Oui. Il est comme bloqué là, avec
pour obligation de maintenir sa propre survie, de fournir de l'énergie. Et son énergie lui est extirpée pour alimenter le système. Ce système de tuyaux, cette sorte de système électrique. C'est quoi ces couloirs de circuit électrique? De quoi tu parles? Ça fait partie de la structure de la matrice artificielle. C'est comme une sorte de grille. Et ça entoure la Terre? Oui. C'est ce qu'on appelle la fausse grille magnétique? Oui. Ah d'accord. C'est pas uniquement électrique, c'est électromagnétique en réalité. Électromagnétique, hein? D'accord. Et donc là, ils y mettent des consciences pour l'alimenter? Oui. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour qu'il se retrouve incarné après sur Terre en tant qu'humain? Parce qu'il arrive à un moment où le taux de résistance est atteint, mais il n'y a pas usure jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il récupère ces consciences-là avant épuisement total pour les envoyer dans une autre zone de la matrice artificielle pour régénération. Et cette régénération, dans le cycle de cette régénération, il y a aussi les cycles d'incarnation humaine. D'accord. Donc là, il va directement dans les incarnations humaines? Directement dans le sens où il ne passe pas par des formes animales, oui. Ok. Ni végétales, ni minérales. C'est la première vie humaine, il la met où alors? C'est en haute altitude, l'air est raréfié. Des hautes montagnes. C'est ce qui est le Tibet maintenant, ce sont ces montagnes-là. Je m'en doutais. Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur sa boucle de manifestation, en tout cas du sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. Alors, à part ces 4% trafiqués, regarde le reste de son ADN et confirme-moi qu'il s'agisse bien de son essence. C'est le sien. Demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavédique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ce reptiloïde, enfin ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Il y a toutes les entités qui ont été vues précédemment. Voilà, donc les hiérarchies, etc., jusqu'aux archontes. Voilà. Ensuite, qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Les démoniaques? Oui, il y en a aussi. Voilà, des opportunistes habituels, hein, eux, on les voit à toutes les sauces. Ils appuient sur quelle faille? Sur des failles de mal-être, hein, de souffrance émotionnelle, hein, de sentiment d'être et décalé et enfermé. Ok. Donc après, gestionnaire de la matrice, après les archontes. Est-ce que tu vois des parasites? Il y a des sortes de... Ça ressemble à des sortes d'amibes ou de larves ou quelque chose comme ça, qui sont là dans le système digestif. Oui. Elles viennent se nourrir, en fait, littéralement. Donc, elles viennent en perturber le fonctionnement, le ralentir. Ça l'oblige à fournir encore plus d'énergie vitale. D'accord. Elles sont aussi en partie responsables de ces problèmes bilaires, là? Oui, et du diabète, surtout. Du diabète. D'accord. Ok. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général.
on ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Philippe se place dans une bulle cristique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Philippe à présent ? Un beaucoup plus stable, clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités ? Il y a de la colère, mais une colère violente et brutale. Il y a une sorte de nuage sombre noir qui est déployé autour de lui pour le bloquer. Très bien. Alors, on va les bloquer à notre tour comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'il n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Maintenant, regarde la bulle énergétique de Philippe. Dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, le reflet miroir, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, il n'y a plus rien. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, dans les autres incarnations dans lesquelles elles sont intervenues déjà. Tu en comptes combien ? 11. Ok, tu ouvres un portail, on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes, tu l'effaces ? Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, via leur banque de données. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que c'est stocké, ces banques de données ? Alors, c'est principalement dans leur vaisseau. Après, il y a des copies qui sont stockées ailleurs. Mais sinon, la banque de données principale se trouve dans leur vaisseau. D'accord. Et les copies, c'est dans d'autres vaisseaux ? Alors, il y a des copies dans d'autres vaisseaux et il y a des copies qui sont... C'est non physique. C'est dans des sortes de ce que l'on pourrait appeler de bibliothèques virtuelles non physiques. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de forme de physicalité, il y a juste de l'information. Oui, c'est comme des mémoires akashiques. Oui, en quelque sorte, oui. Ah, on va dire ça comme ça pour simplifier. Ok. Et donc, dans ce qu'ils ont stocké eux-mêmes, c'est dans des ordinateurs ou espèces d'ordinateurs ? Oui. Voilà. Donc, je suppose qu'il y a un ordinateur central ? Oui. Il est relié à combien d'ordinateurs ? Il y en a 32. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? On grille tous les ordinateurs ou seulement les infos ? Il s'est relié à 32 plus... un autre jumeau du principal. D'accord, du central ? Oui. Et le jumeau, il est situé où ? Il est situé dans une base lunaire. Ok, donc lui aussi contient les informations de Philippe ? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On grille tous les ordi ou seulement les infos ? Les informations qu'il concerne. Allez, on va tout griller, les infos sur tous les plans, jusqu'aux bibliothèques akashiques. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien.
Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, ça c'est via les informations qui restent dans, on va dire, dans leurs neurones et en jouant avec les lignes de temps. Très bien. De quelle manière ils jouent avec les lignes de temps? Ils se déplacent sur les lignes de temps telles que nous, nous pouvons nous déplacer sur un chemin, sur le plan physique, sur plusieurs chemins. D'accord. Donc là, c'est leur capacité personnelle. Oui. Ok. Donc, à part les circuits neuronaux, il y a d'autres moyens ou pas? Non. Alors, on va éliminer de leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence de Philippe, sur tous les plans, tous les moyens de se souvenir de son existence, qu'ils soient biologiques ou qu'ils soient techniques. Donc, on élimine tout, technologique. 1, 2, 3, on élimine tout partout. Oui. Voilà. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non, plus maintenant. Est-ce que tu vois qu'ils ont encore un souvenir de lui ou un moyen de se rappeler de lui? C'est pas réellement des souvenirs, mais c'est ce sentiment, cette sorte d'intuition, d'instinct qu'il y a quelque chose. D'accord. Ok. Ça peut se supprimer, ça? Oui. Eh bien, on le supprime également. Bien sûr, pour tout le collectif. 1, 2, 3. C'est fait. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer ou de se souvenir de lui. Non, plus maintenant. Donc là, c'est bon pour les reptiloïdes, mais pour toute la hiérarchie ou on a fait que pour les reptiloïdes? Non, c'est pour toute la hiérarchie. Ok. Donc là, dans toute la hiérarchie, il n'y a plus aucune information en ce qui le concerne, ni même aucun souvenir de son existence. On est d'accord? C'est correct. Et pour le pacte qu'il a fait dans cette vie de druide, il en reste quelque chose ou pas? Oui, mais le concernant lui, c'est-à-dire ça n'a plus d'existence en soi-même, mais le concernant lui, il y a des traumatismes et des liens toxiques. Bon, on verra ça tout à l'heure dans la suite du programme. Ok, ou alors c'est le moment de les éliminer maintenant? On peut le faire maintenant, oui. Allez, alors il coupe tous les liens toxiques et tout ça. Tous les traumatismes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. En ce qui le concerne, tu vois d'autres choses qui resteraient à éliminer? Non. Très bien. Donc là, on peut dire qu'il est parfaitement libre? Oui. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan moronciel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est dans une sorte de gang. C'est comme une sorte de prison qui est à la fois une protection et à la fois qui est une prison. D'accord. Avec ce qu'on vient de faire, elle ne s'en est pas libérée? Si, mais elle n'a pas la conscience que ça l'est. Comme un prisonnier depuis trop longtemps dont la porte s'est ouverte et qui par habitude ou méconnaissance que la porte soit ouverte, reste là. Ok, bon, le reste se fera dans la suite du programme. Sa partie subliminale, comment la vois-tu? Elle est décalée par rapport à la partie physique. Pour ne pas subir l'interférence de plein fouet. Mais en même temps, elle reste rattachée à la partie physique, mais de façon instable et décalée. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace moronciel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Philippe pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors, nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui.
sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont les projets pour la vie de Philippe. Explorer avec curiosité, sérénité, mais aussi joie et plaisir, toutes les conditions et les potentialités de cette incarnation humaine. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité ? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source ? 97%. Il invite à monter à 100%. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu ? Il est comme coupé et cisaillé et blessé tout le long de sa structure. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées ? Ça vient créer des différences de fréquence entre les consciences qui sont rattachées à l'arbre, de l'incompréhension, des difficultés de communication, et ça vient créer des souffrances aussi par rapport à leur situation d'être rattachée à cet arbre-là pour chacune des consciences. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Philippe ? Ça vient générer chez lui un sentiment de solitude, d'insécurité, une anxiété aussi en arrière-plan et du mal-être. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière ? 47. Que se passe-t-il à ce moment-là ? C'est dès la sortie des roues d'incarnation qu'il y a comme une sorte d'attaque en règle autour et sur toutes les lignées qui passent dans cette zone-là. C'est les entités démoniaques qui viennent littéralement cisailler et couper les énergies des lignées. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré ? L'objectif, c'est de les briser pour mieux les interférer. Oui. Bien. Alors, donc, tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire ? Une montée en fréquence haute, soudaine et puissante qui va le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. Et bien au-dessus de cette zone-là. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées ? Il y a l'énergie qui recommence à circuler maintenant, libre, fluide et légère, équilibrée, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Bien. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Philippe ? Ça vient l'alléger et l'apaiser. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée ? Oui. Allons-y. C'est fait. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent ? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement ? Et est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre ? Il coupe à 27% et pour la partie restante, il réaménage et réinforme. Bien, dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Alors, on va s'occuper à présent de son ADN. On a vu qu'il y a 4% d'ADN trafiqué et d'inclusion. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer ? Les 1% modifiés. Ok, dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. De ces 1% modifiés, est-ce que tu vois qu'il en reste en arrière-plan des résidus ? Non. Bien, alors il les remplace avec sa propre essence. Oui. Combien est-ce qu'il peut éliminer maintenant des 3% restants ? 1,5. Idem, 1, 2, 3. C'est fait. Il les remplace également avec son essence ? Oui. Combien est-ce qu'il peut éliminer à présent ? Les 1,5 restants. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est fait.
Il les remplace également. Oui. Voilà, ceci étant fait, maintenant, que compte-t-il faire? Est-ce qu'il veut refaire son ADN entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'élises? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 de connectées et 4 d'activées. Il peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça vient renforcer, sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, à présent, nous allons procéder à l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va faire en privé. Alors, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, il remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 79%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et je vais conseiller à Philippe d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations, car comme tu le sais, ça ne se fait pas sans ta participation active, consciente, volontaire, etc. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles en ont bien sûr la patience, la volonté, etc. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient ou qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison
et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il reste des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'a pas. Alors, il intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui. Et il déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en mêlant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Philippe, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire de soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Maintenant, il déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement, en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui.
Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Il ne conserve bien sûr que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non, il n'a pas. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Il crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. De désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Et éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activé. Oui. À présent, il crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Philippe de visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités, pour faciliter les intégrations.
À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, il déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est bleue, violet et mordorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Il vient s'y placer au centre. Là, il déplace doucement son atlas, ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et pour ce faire, nous allons utiliser le gabarit de l'archétype originel et personnel de chacun des systèmes. Et on va commencer par le système cérébro-spinal. En le calquant à son archétype originel, que se passe-t-il ? Ça vient créer une copie exacte de l'originel en l'adaptant fréquentiellement à ses propres cellules et ce jusqu'au plan physique en 3D. Alors, on va continuer avec les autres systèmes donc nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent y attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire et hormonal. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné. Il vient actionner le point de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Il lui adapté à sa propre fréquence, à cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Fasciathérapie. Il vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait.
stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hibiscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est fait. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde-t-il en reste en arrière-plan? Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, les programmations de vieillissement au sein de son ADN, des cellules de sa biologie. Pour cela, on va utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Éther. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et maintenant, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et les manifestations du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Équilibré. Alors, à présent, on va s'intéresser à sa glande pinéale. Donc, on a vu qu'il y avait un système GPS, mais c'était, je crois, à la nuque, je ne sais plus. Au troisième œil. Au troisième œil. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Non. Bien. Alors, on va regarder sa production de valantonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 56%. À combien était-elle avant la séance? 45. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, alors maintenant on va passer à ces points. Le premier point, c'est le diabète. Regarde qu'est-ce qui fait qu'il ait du diabète. Il y avait ces parasites là qui venaient se nourrir littéralement dans cette zone là au niveau du pancréas, le point d'ancrage, d'accroche. Venait influer aussi, mais de façon plus indirecte, cette sorte d'aimant électromagnétique là de chaque côté de lui, sur les côtés. Sur les hanches? Non, pas sur les hanches, en bas des côtes. D'accord, ah oui, oui, ok. Bien, donc on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées d'ailleurs par ces dispositifs, puisqu'il n'y en avait pas que là, il y en avait partout. Oui. Voilà, toutes les parties impactées. Donc pour celle-ci, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations automatisées d'autodéfense, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Bien. Et par rapport à ces parasites, bien sûr, ils ne sont plus là, mais est-ce qu'il reste des résidus, des éjections, miasmes ou autres? Oui, comme une sorte de colle. Voilà. Donc on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Alors, il y a maintenant tout son système digestif, métabolique et en particulier son pancréas. Comment est-ce que tu le vois? Maintenant, l'énergie circule de façon haute en fréquence, fluide, équilibrée et légère.
Et est-ce que tu vois que pour le pancréas spécifiquement, on peut ajouter des énergies comme équilibrantes ou autres? Oui, d'équilibre de force vitale spécifique. Alors, allons-y. C'est fait. Et est-ce que tu vois des raisons pour lesquelles il pourrait y avoir encore du diabète? Non. Alors, stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Alors, comme je dis toujours, hein, j'estime que tout est possible, j'essaye tout, mais je ne promets rien. Voilà, comme tout ne dépend pas que de nous. Alors, au niveau de l'hypertension, qu'est-ce qui fait qu'il avait de l'hypertension? C'est le déséquilibre électricité et magnétisme dans toute sa physicalité. C'est qui venait créer ce symptôme-là. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois maintenant qu'il y a à éliminer pour tout remettre en ordre et recréer l'équilibre? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations automatisées de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Ah, donc au niveau tout ce qui est en lien avec sa tension, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à faire? Faire un apport d'énergie, d'équilibre et de force vitale spécifique là aussi. Alors allons-y. C'est fait. Voilà, donc quant à l'équilibre électrique et magnétique, comment est-ce que tu le vois maintenant? Équilibré. Parfait. Tu vois autre chose à rajouter? Non. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Alors, il est sujet à des kystes biliaires, donc il en a encore un énorme de 1 kg, alors qu'il en a même eu de 5 kg. Regarde qu'est-ce qui fait qu'il produit ces kystes biliaires. C'est cette sorte de dispositif électromagnétique qui venait l'entourer de chaque côté, droite-gauche, au niveau du bas des côtes. Très bien. Alors là, spécifiquement, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations automatisées de fonctionnement, d'autodéfense, alors qui ne sont plus appropriées, mais qui sont là présentes encore. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité 1, 2, 3. C'est fait. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Et là, je pense qu'on peut mettre une énergie de dissolution et de dispersion pour ce kyste. Oui, c'est fait. Tu as autre chose à faire? Non. Alors, on va éviter son élémentaire à mettre une programmation également de dissolution de ce kyste. C'est fait. Voilà. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Voilà, au niveau du système visuel, donc baisse de vision, regarde à quoi c'est dû. Il y avait ce système GPS là au niveau du troisième œil qui venait impacter et fatiguer en quelque sorte prématurément le système visuel. Est-ce que ça impactait aussi les autres systèmes? Oui, mais dans une moindre mesure. Le système auditif, est-ce qu'il est concerné? Aussi, oui. Est-ce que le fait qu'il ait perdu dans son oreille droite l'audition, ça a à voir avec ça, même si ça a été mal soigné ou c'est autre chose? En partie seulement. Au début de son incarnation, il y a eu des ajustements fréquentiels qui ont été mis en place, on va dire, dans cette nouvelle biologie-là. Des ajustements fréquentiels nécessaires par rapport à l'apport d'ADN de modifications et étrangers. Et c'est lors de ces réglages, en quelque sorte, qu'il y a eu cette problématique-là au niveau de Louis. Très bien. Donc, on va travailler toutes les parties qui ont été impactées par tout ça. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour toutes ces parties? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations automatisées de fonctionnement également. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. On va regarder son système neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui.
Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Est-ce que tu envoies un arrière-plan à faire? Non. Bien. Maintenant, on regarde au niveau du cerveau droit-gauche. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est fait. Au niveau du système nerveux central, en vois-tu également? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, pour son système visuel, spécifiquement, tu vois des reconnexions à faire? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est fait. Que vois-tu qu'on pourrait faire pour ses yeux encore améliorer la vision? Un apport d'énergie vitale spécifique. Alors, allons-y. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non. Bien, alors maintenant pour son oreille, donc à droite, qui a perdu l'audition, qu'est-ce que tu vois qu'il y a de spécifique à faire? Un rééquilibrage, un réalignement, une réinformation. Alors, allons-y. C'est fait. Vois-tu des choses à éliminer en même temps? Oui, il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Voilà, tu vois d'autres choses à faire? Un apport d'énergie vitale spécifique, là aussi. Alors, allons-y. C'est fait. Maintenant, on va regarder son ADN, toutes les portions qui concernent son audition, puisqu'il y a eu ces traficotages. Regarde maintenant, même si on l'a refait à neuf. Est-ce que tu vois des choses à faire sur son ADN en lien avec son audition et... Non, tout est correct, là. Ok. Alors, stabilise, sécurise, pénalise et concrétise tout ça. Oui. Voilà. Donc, alors, on va faire une chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Et donc, c'est au niveau de l'activation de la DHEA. Donc, cette hormone qui vient des glandes surrénales et qui est l'hormone de rajeunissement, l'hormone de la jeunesse. Alors, j'aimerais que tu regardes au niveau de cette production des glandes surrénales. Oui. Voilà. Donc, regarde de quelle manière maintenant, puisque nous savons que cette production diminue avec l'âge, hein, jusqu'à, c'est ce qui provoque le dépérissement ou le vieillissement de la peau et de tous les systèmes. Donc, dis-moi, est-ce que tu vois une programmation, on va dire, qui provoque cette dégradation? Oui, elle fait partie de l'ensemble de la programmation de la biologie humaine. Quand elle a duré des années passées dans une incarnation. Et cette programmation générale concerne l'ensemble en fait, des fonctions du corps physique. Et cette programmation-là spécifiquement fait partie de cet ensemble. Ok. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans les problèmes de vieillissement ou pas? Oui, c'est compris dedans. C'est compris dedans. Maintenant, spécifiquement pour la DHEA, est-ce que tu vois une programmation, puisque je suppose que chaque organe et ses fonctions, système, a ses propres fonctionnements, tout en étant relié et en synergie avec le reste? Oui. Bien. Donc, en ce qui concerne les glandes surrénales, est-ce que tu vois qu'il y a une programmation à éliminer ou à inverser? C'est à éliminer, à retirer. Ok, alors on élimine cette programmation sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde ce qui se passe quand on fait ça. Parce que l'inversé pourrait causer d'autres problématiques. D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand on élimine cette programmation? C'est comme quand le lit d'une rivière, par exemple, ou d'un ruisseau est bloqué avec des pierres et que tu enlèves ces pierres, le flux recommence. À couler, à circuler. Très bien. Alors maintenant, si on veut que ce soit dans la durabilité, est-ce qu'il y a autre chose à faire ou est-ce que ce qu'on vient de faire, c'est suffisant? Il y a des programmes automatisés de remise en place des programmes initiaux. Donc oui, il faut installer un programme de blocage par rapport à ces programmes-là de réinitialisation automatique. Et si on éliminait carrément ces programmes? C'est trop perturbant pour l'ensemble du fonctionnement du corps.
D'accord. Donc un problème de blocage, un programme de blocage pourrait être suffisant et efficace? Oui. Alors installons-le. C'est fait. Regarde, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Ça maintient cette circulation et cette production. D'accord. Maintenant que j'aimerais que tu regardes quelles sont les conséquences dans sa physicalité. Ça intervient au niveau de l'énergie vitale. Mmh. Il y a plus d'énergie vitale qui circule dans tout le corps. Ok. Est-ce que tu vois que ça a une influence sur les cellules, sur l'ensemble du corps physique? Est-ce que tu vois qu'à terme, ça peut contribuer à un rajeunissement? Et sur la vitalité en général. Ça dépend de ce que tu appelles rajeunissement. Ben, on va dire disparition de rides, la peau qui se raffermit, le corps qui élimine ses graisses, etc. Il y a un ralentissement, certain. Mais c'est pas. Suivant chaque individu, ça se passe différemment. Oui, on est tous différents, bien sûr. Oui. On a tous des modes de vie différents, des modes de pensée différentes, bien sûr. C'est au-delà des modes de pensée, c'est au niveau du fonctionnement cellulaire. Mmh. D'accord. Alors, en ce qui concerne Philippe, qu'est-ce que tu vois qu'il y aurait à faire pour que tout ça se libère et soit efficace? Là, c'est fait déjà. Ouais. Donc, ça apporte une vitalité générale comme une sorte de... C'est comme quand tu viens arroser une plante desséchée. Elle se repulpe, elle se revitalise. Eh bien, voilà. Elle se redresse. Voilà une chose qui est bonne. Alors, est-ce que tu vois maintenant que dans la durabilité, tout est installé? Maintenant, oui. Très bien. Alors, tu stabilises, sécurises, planises et concrétises. Oui. Voilà. Donc là, je vais... Hop. Alors, ceci étant fait, donc sa première question, c'est dans sa relation avec sa sœur. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Elle a coupé les ponts avec lui. Il semblerait qu'il y ait une espèce de jalousie. Il lui reproche sa réussite, etc. Qu'est-ce que tu vois de ton côté, de son attitude, de ce qui se passe? Alors, c'est une réaction d'autodéfense par rapport à sa situation d'interférence que ces parties d'elle inconscientes perçoivent de lui, d'une part, et d'autre part, c'est pour eux, c'est une tentative de combler et d'effacer, de calmer sa souffrance émotionnelle personnelle. Cette souffrance qui viendrait d'où? De la programmation de la lignée, de son mal-être intérieur. D'accord. Donc, on va la faire venir devant lui? Oui. Voilà, il lui montre le travail qu'il est en train de faire et il lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations que nous venons de recueillir. Et de ton côté, j'aimerais que tu me dises quel type d'entité elle a sur elle. Il y a d'une part des entités démoniaques et d'autre part des entités sombres, type chauve-souris, avec ses ailes lisses déployées. Bien. Comment réagit-elle quand elle prend conscience de tout cela? Il y a de la peur, comme un recul et de la colère aussi. Demande-tu si avec nous l'aidions? Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Il y a une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient littéralement éjecter ces entités de sa réalité. Est-ce que tu en vois qu'il reste en arrière-plan? Oui, ces entités chauves-souris qui restent là cachées en arrière-plan. Bien, alors on va ouvrir un portail et on va les éliminer avec toute possibilité de la retrouver. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes, tu les fasses. Oui. À présent, elle est invitée à couper tous les liens toxiques. Suivant le terme générique que nous avons élaboré, c'est-à-dire qu'ils sont transgénérationnels, karmiques, relationnels et autres. Elle les coupe tous. Elle est OK avec ça? Oui. 1, 2, 3. C'est fait. Et à présent, elle a accès à toute l'information pour faire la séance du début jusqu'à la fin. Elle en a toutes les capacités, la liberté et voilà. Donc elle peut commencer dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure.
Oui. Elle s'est mise à l'heure? Oui. Alors, on revient à Philippe. Donc, sa deuxième question, c'est qu'il a essayé de faire des sorties astrales et il s'est trouvé devant une impossibilité. Bon, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Il était bloqué de par sa situation d'interférence. Ah. Ça n'est pas... Même s'il a la possibilité de le faire, ça n'est pas nécessaire. Ah. Et il y a toujours ce risque-là que la partie physique soit de nouveau interférée pendant ce temps-là. Et oui, puisqu'elle est en état de vulnérabilité et vacante. Oui. Voilà. Donc, à moins d'apprendre à mettre des protections. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile pour Loï de faire des sorties astrales? Non. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Hein. Voilà. Pardon, cet intérêt pour cette attirance... Cette attraction pour le fait de faire des sorties astrales, c'est dû aussi à l'état de sa conscience qui se sent oppressée et prisonnière de la partie physique incarnée et de l'incarnation elle-même. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Okay. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'être? Non. Je pense qu'il en a compris les dangers et bien sûr la nécessité de ne pas faire ce genre de pratique. Oui. Ok. Tu vois des choses à éliminer par rapport à ça? Oui, il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement aussi à éliminer. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité 1, 2, 3. Oui. Voilà, il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, dans sa sécurité intérieure, une paix profonde. Oui. Et du haut de sa sagesse, comment le vois-tu à présent, en relation avec son existence en tant qu'humain? Apaisé. Il y a un apaisement, une sérénité, un bien-être intérieur qui sont là, présents, maintenant. Une satisfaction aussi ressentie de ce nouvel état d'être et du plaisir. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc sa troisième question, je pense qu'il n'a plus lieu d'être. Hein. Il a été franc-maçon, martiniste, etc. Il se demande qu'est-ce qui bloque dans son évolution. Je pense qu'il a eu ses réponses. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. On ne va pas y revenir. Oui. Et à chaque fois, c'est ce qui peut être considéré comme des pactes venait réactiver le pacte originel qui a été vu tout à l'heure. Ok, donc là, on est bien d'accord qu'il ne reste plus rien? Non. Il est parfaitement libre? Maintenant, oui. Surtout avec le déblocage des codes matriciels. Oui. Voilà. Alors, autre question. Il est né à 29 septembre. Il se demande quelle relation il a avec l'archange Michael, qui, selon le calendrier, etc., correspond, on va dire, au 29 septembre. Alors, quelle réponse il a par rapport à cette question-là? La réponse, c'est aucune. C'est simplement relié au formatage culturel et spirituel, simplement. Voilà. Donc, quand il invoque Raphaël, Métatron, Maître Philippe de Lyon, etc., à quoi il se connecte et qu'est-ce qui se passe? Il se connecte à des énergies de l'astral. Hein. Alors, non pas qu'il n'y ait pas de la réalité hein, derrière ces énergies, mais elles sont récupérées. Parce que ce sont des mémoires en fait et des informations qui sont récupérées par des entités démoniaques hein, pour venir se connecter aux consciences humaines qui les invoquent. Bien, alors on arrive sur le plan archaïque. Oui. Voilà, c'est ce monde de manipulation qui se joue de nous sur nos croyances religieuses, New Age, etc. Oui. Voilà. Et quelles sont les conséquences pour lui alors? Aspiration de son énergie vitale. Voilà.
Et évidemment, donc c'est des systèmes qu'il faut comprendre, qui nous détournent de nous-mêmes, puisque quand on cherche des autorités ou des pouvoirs à l'extérieur ou d'autres choses, bah, on se détourne de nous-mêmes et on ne reconnaît pas qu'on a tout ça en soi et en bien mieux. Et bien sûr, on s'expose à tous ces systèmes de prédation. Voilà. Donc tout ce bestiaire, ange, archange, maître ascensionné, tout ça, maître Jésus, je ne dis pas qu'il n'a pas existé, mais il a bien autre chose à faire. Donc tout ça, c'est les systèmes qui nous détournent de nous-mêmes et qui permet nos prédations et voilà, notre affaiblissement, etc. Bon, est-ce que tu vois des liens toxiques à couper, des liens d'attachement, des liens d'égrégore? Oui, les trois. Allez, il élimine tous les liens, les trois et les autres, il y en a. Un, deux, trois. Oui. Tu as d'autres choses à faire par rapport à ça? Non. Bien, ben, le reste du travail, c'est Philippe, évidemment, qui le fera. Hein. Voilà, il verra s'il veut renoncer ou pas à ses croyances, ses pratiques, etc. Voilà. Donc, il a fait un travail de pardon avec son père. Il a fait un rituel, voilà, et il pense qu'il y a même une incidence sur ses ancêtres. Alors, regarde déjà quand il a fait ce rituel, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des fils qui sont coupés, et comme toutes les consciences rattachées à la lignée sont interconnectées. Les fils toxiques se sont coupés également avec d'autres consciences rattachées à la lignée. D'accord, donc ce rituel a eu une efficacité. Oui. Ok. Bien, et donc par rapport pas, à... Pas entièrement complète, parce que c'est comme si lui, d'un côté il avait coupé ces fils-là, mais d'un autre côté il y avait une partie de lui qui gardait un attachement, comme... une racine, quelque chose comme ça. Et quelles sont les conséquences? Liées en fait à son identité, garder une racine par rapport à son identité. Ça maintient un déséquilibre tant que cette racine-là n'est pas coupée, puisqu'en réalité, ça n'a pas de lien avec son identité profonde. Très bien. Donc, par rapport à la lignée, donc je suppose qu'il a des liens à couper lui-même. Oui. Hein? Et on va dire aussi tous les liens toxiques, suivant le terme générique qu'on a élaboré. Oui. Alors, il va tous les couper sur tous les plans. Un, deux, trois. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne son père, on verra tout à l'heure, puisqu'il sera invité. Donc, il y aura un travail qui se fera à ce moment-là. Lorsque, dans un rêve éveillé, il s'est retrouvé entre deux miroirs et avec tous les ancêtres en blanc, qui pour lui c'était la conséquence donc de la libération des ancêtres. Qu'est-ce que tu vois qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vécu là en réalité? Ah, c'est lui-même qui s'est libéré en partie de ses liens toxiques avec les ancêtres. D'accord, très bien. Ce qui est déjà pas mal, remarque. Ok, même si c'est pas complet. Bien, très bien. Donc le reste, on fera avec son père. Alors, donc, quand il dit qu'il veut faire la fusion avec son soi supérieur, voilà. C'est comme si avec quelque chose de faux ou d'incorrect. Le soi supérieur, lui, il est sur le plan moronciel. Il n'a pas pour vocation à fusionner avec la partie physique incarnée. Il est là, c'est une image, mais comme au-dessus pour surveiller en quelque sorte et comme une sorte de protection par rapport à la partie physique incarnée. Voilà. Donc en fait, ce qu'il veut dire, c'est plutôt comment se connecter pleinement à ses parties supérieures. C'est ça la vraie question. Ah oui, c'est différent. Et c'est ce qui vient d'être fait. Oui. Est-ce que tu le confirmes qu'il est pleinement connecté maintenant à ses parties supérieures? Oui. Voilà, tout simplement. Bien, alors on va regarder maintenant, le tout premier traumatisme qu'il a vécu. C'est quand il a été capturé, là, dans cette partie disloquée du vaisseau. Voilà, donc tu vas te présenter à lui, mais bien sûr, bien avant ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, son plein équilibre, etc. Oui. Tu te présentes à lui, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui.
Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Enfin, à ce moment-là. Il y a une montée en fréquence puissante. Ça vient le placer comme au-dessus, en fait, en observation de sa propre situation. Alors, maintenant qu'il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas, ils resteront les mêmes. Ce qui changera, c'est sa qualité de perception, de ressenti, de regard et de sa manière d'être face à eux. Il est d'accord avec ça? Oui. Bien. Alors, avant de plonger dans les événements, j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer, comment est-ce qu'il l'interprète, quel sens il lui donne, il leur donne à ces événements. Il perçoit maintenant clairement que tout a été en quelque sorte créé et organisé par le soi supérieur. Ces situations pour créer des situations d'expérimentation de la conscience, comme des sortes de défis, de jeux aussi. Tout est créé par le soi supérieur. Bien, alors maintenant qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il va plonger dans tous ces événements et jusqu'à sa première vie humaine. Oui. Comment tu le vois dans cette première vie humaine? Curieux. Il y a de la curiosité concernant cette nouvelle forme physique de sa conscience. Il se positionne de plusieurs façons différentes dans ce nouveau corps-là, dont il explore toutes les possibilités, les potentialités. Et il éprouve de la joie et du plaisir à être là dans cette forme-là de physicalité. Bien, donc on est loin là de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et il repasse par chacune des vies vécues et intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Dans cet ici et maintenant, comment tu le vois en tant que Philippe? Maintenant, il sent pleinement sa connexion directe, pleine et entière avec sa propre puissance intérieure. Il se ressent centré, équilibré, connecté, avec sa connexion tertielle stable, sécurisée. Il ressent du plaisir et du bien-être à être là dans l'instant présent et dans l'incarnation. Bien. Alors, dans cet ici et maintenant, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Il le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, ceci étant fait, maintenant on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes, bien entendu, qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a des programmations qui viennent s'accrocher les unes aux autres. C'est comme des crochets. Et qui viennent créés comme des sortes de formes géométriques hein, qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres, se superposer les unes aux autres. Mais au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, ça vient former un ensemble lourd, pesant et limitant. Quelles sont les croyances limitantes qu'il a développées à partir de ça? Qu'il n'a ni les connaissances, ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Maintenant qu'il est pleinement connecté à sa propre puissance intérieure, il s'aperçoit de la nature de ses programmations et qu'elles entrent en action, ces programmations, dans des zones de basse fréquence. Et il s'aperçoit également que lui peut aller à présent bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations et qu'il peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui. Que vois-tu qu'il reste à dégager de sa réalité? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et toujours selon ces lignes de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Le corps émotionnel, il est comme décalé et replié. Il y a une oppression là qui est sur le corps émotionnel. Presque comme ça vient générer comme une difficulté à respirer.
Il y a de la souffrance émotionnelle qui est là présente, de la tristesse, de la nostalgie, cette sensation douloureuse d'être rejeté, avec comme cette sensation de ne pas être à sa place et d'être repoussé, rejeté. Ça vient créer aussi des frustrations et de la colère par rapport à ces frustrations. Et puis de la culpabilité aussi, pour ne pas arriver à garder ces émotions en fréquence haute et légère. Tous ces éléments-là viennent générer chez lui une image de lui qui ne lui correspond pas et dans laquelle il ne se reconnaît pas. Et ça vient créer des fuites d'énergie importantes aussi. Alors, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice de ces conditions d'incarnation-là, ressenties comme bridées, limitées. Il y a la sensation de la partie physique d'avoir été trahie par le soi supérieur, pour avoir été là, rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation-là limitées et inconfortables. Donc ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique incarnée. Et puis aussi l'humiliation ressentie de ne pas arriver à se déployer comme il l'aurait voulu dans l'incarnation, à se réaliser comme il l'aurait voulu, à s'y sentir libre et léger. Donc pour pouvoir fonctionner là dans l'incarnation, il a mis en place un système de fonctionnement où il utilise le mental pour pouvoir se protéger du côté émotionnel trop souffrant et instable. Donc il a placé des protections là tout autour de lui, surveillé étroitement par le mental, comme des sortes de barrières. Donc ça lui permet d'avancer dans l'incarnation en évitant les zones de souffrance trop hautes. Mais d'un autre côté, ça l'empêche de se connecter pleinement à ses intuitions et à ses parties de lui supérieures. Mais c'est la seule façon qu'il avait trouvé de fonctionner dans l'incarnation. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que j'aie les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer de tout ça? Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne la personnalité, donc Philippe, tu as maintenant toutes les compréhensions, toutes les informations pour créer les changements nécessaires. Voilà. Adopter de nouvelles attitudes, renoncer peut-être à certains attachements, enfin, etc. Et t'ouvrir à de nouvelles expériences et de nouvelles perspectives. Tout est ouvert pour toi maintenant. Tout ne dépend plus que de toi. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son attention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vois-tu Philippe à présent ? Il est centré maintenant, centré, équilibré. Il est là sur sa base de sécurité intérieure, neutre, calme, tranquille et posé. Il ressent pleinement son alignement tertiel. Ça lui permet de se sentir bien, de se déployer tranquillement et joyeusement dans l'instant présent et de trouver du plaisir aussi à être là dans l'incarnation. Alors, il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit familiale, enfin tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment il le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions.
Il garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présent en lui la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de sa conscience, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Et je rajouterais de le ressentir pleinement, et ça c'est la clé pour tout le monde. Et justement, que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Philippe? Il y a de la curiosité, de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant lui. Ça lui semble instructif, constructif et intéressant. Il a envie d'y participer, d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Bien, autrement dit, la condition humaine devient intéressante. Oui. C'est ce que devrait être toute vie humaine. Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Il le rajoute à sa programmation. Oui. Il le ramène donc ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il se ressent également dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelle qu'était l'expérience des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Comment vas-tu, Philippe, à présent? Apaisé et soulagé. Il y a une sensation de bien-être, hein, comme un épanouissement intérieur qui est là présent maintenant en lui et qui se déploie dans toute sa sphère d'énergie, avec sa conscience qui s'expanse et de nouveaux espaces de réalité, de potentialité qui lui apparaissent là maintenant, devant lui et autour de lui. Il éprouve de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation. Eh bien, ça va être le moment des invitations. Oui. Il a nommé sa compagne et sa famille, la mère de son fils et sa famille également, ses ex également, sa sœur et sa famille en général, les amis de cœur, voilà, et leur famille, bien sûr, tous ceux à qui il pense, la chatte, les trois poules et les animaux de tout le monde, s'il y en a, qui eux sont invités pour la douche finale. Oui. Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Donc chacun avait également coupé tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons donc élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection. Secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence.
se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Philippe pour lui-même, bien sûr, chacun adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont invités. Oui. Et bien sûr, chacun va pouvoir travailler maintenant sur l'élimination des codes matriciels, puisqu'ils en ont accès à l'information. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Bien, alors on va passer au désincarné. Il a nommé celui qui a été son fils. J'aimerais savoir sur quel plan tu me vois et dans quelle situation. Il y a quelque chose de métallique, comme une sorte de caisson métallique autour de lui. Mmh. C'est une sorte de zone. C'est entre le moyen et le bas astral. C'est comme une sorte de zone de stockage, quelque chose comme ça. Bien. Donc là, pour l'information, je précise qu'il est décédé quelques jours après, une quinzaine, je crois, après une injection de vacciculation dont on sait de quoi on parle. Et j'aimerais savoir si cette situation donc, d'environnement métallique a à voir avec l'injection. Oui, c'est comme une sorte de captation d'aimant de conscience qui s'est mis en place là, au moment de la désincarnation. Ce qui l'a amené, attiré, placé dans cette zone-là. Quand tu parles d'aimant de conscience, c'est-à-dire que c'est dû aux substances qu'il y avait dans ce qui a été injecté. Oui, parce qu'il y a comme une déconstruction au niveau énergétique. Cette déconstruction énergétique génère un type de fréquence particulier qui est facilement aimanté par ce système-là d'aimantation qui attire dans cette zone-là où il se trouve maintenant. Ok. Et comment tu vois, dans quel état d'esprit, là, dans cette zone ? Dans une sorte de stase, à moitié conscient. Ok. Et si on va jusqu'au bout du processus, si on n'intervenait pas, qu'est-ce qui se passe pour lui à terme ? Il reste là dans cette zone de stockage. Soit il y a des morceaux de cette zone de stockage qui sont envoyés ailleurs, c'est-à-dire dans la structure de matrice artificielle d'autres planètes. Soit il est renvoyé dans les roues d'incarnation, mais conditionné différemment. C'est-à-dire bridé, en quelque sorte, dans sa connexion divine. Ok, donc là, on est au plein cœur des intentions, de ses injonctions, de ses injections. Injection, je vais y arriver. Oui, c'est le contrôle, en fait. Voilà. Ah. Ok. Et quand tu dis qu'ils sont envoyés donc, dans ces autres zones ou autres planètes, qui est-ce qui les envoie là ? Il y a deux niveaux, en fait. Comme deux niveaux de contrôle, un niveau de contrôle Draco, un niveau de contrôle archontique. Ok. Bien. Alors, donc, est-ce que tu peux déjà identifier le regard de son ADN éthérique, confirmant qu'il s'agisse d'un de lui ? Oui. Est-ce que tu peux communiquer avec lui ? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent ? Il y a une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient l'expulser presque brutalement de cette zone-là. Bien. Alors, à présent, que choisit-il de faire ? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir ? On remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et aussi sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper.
Il se libère totalement et libère tout et tous, et en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant d'en monter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers celui qui a été son père et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Il y a l'expression du soulagement, de la gratitude et du remerciement qui va vers celui qui a été son père. Une sorte de piège, ce piège, il perçoit ce piège là maintenant. Ce piège et cet attachement, même suivant la désincarnation, cet attachement artificiel au plan physique hein, qui garde prisonnier. Il perçoit tout cela clairement maintenant. Donc il remercie celui qui était son père de l'avoir aidé à ce dégagement. Bien, il est pleinement conscient maintenant de tous les systèmes qui sont derrière. Oui. Parfait. Alors demande-lui avant de remonter s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Philippe des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui. Oui. Allons-y. C'est fait. Et maintenant, on va le saluer et le remercier. Il est parti. Il est sorti de la fausse matrice? Oui. Pleinement libéré? Oui. Parfait. Alors maintenant, ça va être le tour de celui qui a été son père. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Il est dans le bas astral avec des sortes de... Il y a comme des bruits de claquements de mâchoire. Hein. Toute cette zone-là est sombre, anxiogène. Il y a quelque chose d'inquiétant dans toute cette zone-là. C'est comme s'il cherchait à s'en échapper en s'en maintenant autant que possible à la périphérie. D'où viennent ces bruits de claquement de mâchoire? Des entités qui sont là. Mmh. C'est des sortes de caïmans, quelque chose comme ça, ça ressemble à ça. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font là, ces sortes de caïmans? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des démoniaques ou Non, c'est le fruit d'expériences tentées sur des formes de vie intermédiaires. Ces caïmans sont le résultat de fruits d'expérience, c'est ça? Oui. D'accord. C'est comme des sortes de mutants. Oui. Dont l'énergie mutante reste prisonnière là. Et leur énergie est très basse. Mais ils ont besoin de se nourrir également d'énergie basse. Donc leur est envoyé comme nourriture en quelque sorte. Des consciences humaines désincarnées, elles-mêmes en très basse fréquence. Alors, donc, c'est la raison de leur claquement de dents? Oui. Si tu vois qu'ils se nourrissent de lui? Oui, des énergies, oui. Enfin, là, il tente de le faire. À chaque fois, ça vient le frôler. Bon, ça va être très anxiogène, ça. Oui, ça l'est. Bien. Alors, tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Une montée en fréquence soudaine et puissante. Ça le fait traverser. Il traverse cette sorte de plafond. Comme sorti de la grotte à l'extérieur. Alors, que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors, du lutte pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Se libérant totalement et libérant tout et tous, et en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement ou éventuellement de culpabilité. Oui. Alors avant d'en monter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers celui qui a été son fils et tous ceux qu'il a aimé côtoyer?
Il y a l'expression du soulagement, un soulagement immense. Et de remerciement aussi qui va vers celui qui a été son fils. Alors, de la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu sur Terre, des comportements qu'il a eus, qui lui sont reprochés, et de tout ce qu'il a derrière? Il y avait cette chose-là à l'intérieur de lui pendant son incarnation, cette sorte de poulpe visqueux avec ses tentacules qui agissait à travers lui, à sa place, qui commandait ses gestes, ses pensées, ses émotions, et qui venait le dominer complètement. Cette sorte de poulpe-là est restée dans cette grotte. Il n'est plus avec lui maintenant. Trop de différence de fréquence. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il aimerait s'exprimer maintenant envers son fils et même sa fille dans des actes qui ont été reprochés, même s'il n'en est pas responsable? Il le perçoit avec tristesse et culpabilité. Mais s'il se connecte à cette tristesse, cette culpabilité, ça le fait redescendre en fréquence. Oui, ce n'est pas nécessaire. Non. Il comprend les systèmes qui sont derrière, il comprend tout ce qu'il y a derrière. Il le voit, oui. Ou pas clairement? Oui, il perçoit maintenant clairement tous les systèmes d'interférence avec les entités qui sont là présentes en arrière-plan. Bien. Alors, donc, il comprend le sens de la phrase qui dit qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place. Oui. Et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner, que tout est dans la perfection. Oui. Comment est-ce que tu le vois maintenant quand il comprend ça? Qu'est-ce qu'il ressent? Libre, il remonte en fréquence. Une fréquence lumineuse, dorée, légère. Il envoie une onde d'amour puissante à ses enfants, à ceux qui ont été ses enfants. Voilà. Ok, eh bien, on va le saluer et le remercier. Il est parti. Très bien, parfaitement libre, sorti de la matrice. Oui. Bien, on revient à Philippe. Oui. Alors, regarde-t-il les restes des liens toxiques à couper? Oui. Il va tous les couper sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Il ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine, ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaire, délibéré et éclairé. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. Et après l'élimination des codes matriciels, j'aimerais que tu regardes si au sein de cette fausse matrice, il reste quelque chose à son propos à éliminer. Non, il n'y a plus rien. Alors, de son espace moronciel, il récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'il peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle bien sûr qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement.
Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, maintenant, processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Et pour chacune d'elles, il fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans le sens. Oui. Insertion de fleurs de vie, graines de vie et double muscate activée. Oui. À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. Il le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 8 de connectés et 6 d'activés. Est-ce qu'il peut connecter les deux autres? Oui. Et activer, allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. C'est des programmes d'activation de nouvelles lignes de temps. C'est fait. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations de libération, de bien-être et de légèreté. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 et 15 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes et décisions post-séance? Par vague, il y a des émotions de basse fréquence qui remontent en surface, de la souffrance émotionnelle, du mal-être, sensation d'être isolé, rejeté. Mais ça ne dure pas. Ça revient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas encore mis en place complètement. Donc dans ces phases-là de la métabolisation, le mental égo, pour se sécuriser, va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors il suffira à Philippe de se souvenir de ce qui a été dit, voire de le réécouter pour bien le comprendre. Dans ces moments de métabolisation où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te souvenant que dans tout processus d'auto-guérison, ce sont des choses qui arrivent, c'est parfaitement normal. Et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai également, enfin je rappellerai que je déconseille fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation, pour ne pas contrarier, détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Philippe, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, et dans sa meilleure version, j'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Libre. Et en même temps, il y a cette force intérieure qui est la puissante à l'intérieur de lui, c'est ça. Propre force vitale intérieure à laquelle il est pleinement connecté. C'est équilibré, stable, sécurisé. Ses connexions terre-ciel sont équilibrées et puissantes. Il éprouve de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation maintenant. Donc tu vois l'intérêt, tu le ressens et tu le comprends, l'intérêt d'observer nos recommandations. Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui. Il le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient de connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son domicile. J'ai envie que tu me dises comment tu vois sa maison. Il y
Il y a comme des sortes de courants d'air énergétique sombre qui viennent comme plomber l'atmosphère générale. Et il y a des ouvertures extradimensionnelles aussi qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a une instabilité. Ça vient d'où ? C'est directement lié à sa situation antérieure, sa situation énergétique antérieure. Bien, regardez ce sol, du moins si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Rien qui vienne l'impacter. Parfait. Alors, il va faire une puissante tornade, il va tout nettoyer, tout fermer. L'intérieur et l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances et autres. Enfin, partout où il sait que c'est nécessaire. Oui. Il installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double muscate activées et sécurisées. Oui. Sur son compteur électrique, il installe, tu vas déjà créer un multicouche, comme c'est un Linky. Tu crées un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleurs de vie, graines de vie, double muscate activée et sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui s'modulent et en sécurise. Oui. Maintenant, il remplit tout son espace de sa présence et son énergie. Oui. Il le met dans une bulle christique de protection, lui également, les autres occupants, s'il y en a et s'ils le veulent, et bien sûr, chacun des animaux. Oui. Maintenant, tu as programmé les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à t'en servir. Par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double muscate activée. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, pour tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement ? Oui, c'est la partie physique qui est en charge de cette connexion et qui la maintient haute, puissante et sécurisée grâce à l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et aussi à son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Et je rajouterai également avec la certitude. Voilà. Donc, il te suffira de te souvenir de ce qu'il a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme maintenant ? Elle est montée en fréquence. Elle s'est dégagée de tout ce qui l'entravait. Elle est là, fluide dans ses énergies, colorée, vibrante, lumineuse, libre et légère. Et sa partie subliminale ? Elle s'est réalignée et rééquilibrée avec la partie physique et rapprochée d'elle. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties de lui-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, il l'aura compris. Et dans cette nouvelle version de Philippe, en ce jour de renaissance pour lui. Oui.
Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités. Et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ses taux de très haute fréquence, composés de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double biscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Philippe avant la séance et quelle est-elle à présent? 51 et maintenant 172. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, ça va? Oui. À nous Philippe, tu peux remettre le son, on est t'écoutons. Ouf, ben, c'est puissant. Ouf, je me sens effectivement parfaitement connecté, chose qui était très difficile avant cette séance. Et la pause d'un quart d'heure, là, tout à l'heure, j'étais vraiment... J'étais vraiment bien, puis j'ai tout le... C'est comme si j'avais du champagne à la place du sang. Et c'est, ça pétille de partout, c'est extraordinaire. Hein. C'est... je vous ai écouté depuis un moment, j'ai dû voir une quinzaine de vidéos, mais le ressenti en participant, c'est vraiment magique. Hein. C'est extraordinaire. Bon, j'ai bien compris la leçon que maintenant, c'était à moi de jouer. Mais comme je cherchais absolument cette ouverture, ce portail, et que maintenant il est ouvert, eh ben, voilà, à moi de jouer. Que c'est ça. C'est que mon intention soit claire, nette et précise et que je puisse... Voilà, communiquer avec mon soi supérieur au quotidien. Et ça, c'est parfait. Bien. Ça a du sens pour toi, tout ce qui a été vu et dit? Ah ouais, ça a complètement du sens, ouais, bien sûr. Ouais, je suis content pour mon fils, je suis content pour mon père. Donc, et j'espère que tous ceux que j'ai nommés ressentent pleinement l'équivalent de ce que je peux ressentir là. C'est... Alors, ils vont s'interroger certainement, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, machin. Mais bon, je pense que je vais avoir des coups de fil c'est, là dans la journée ou dans les 2-3 jours qui viennent, je pense que je vais avoir des explications. Et je recevrai le lien de la vidéo, là. Je t'expliquerai tout à l'heure. Hein. Ah d'accord. Voilà. Et donc... Quant à la qualité de réception de toutes les personnes qu'on invite, bien sûr, c'est en fonction d'un tas de facteurs qui ne dépendent pas de nous, mais d'eux-mêmes. Il y en a qui vont recevoir plus que d'autres, mais là, c'est en fonction de leur propre situation, etc., leur conscience, leur partie supérieure. Enfin, il y a plein de facteurs qui ne dépendent pas de nous. Mais effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se passer pour beaucoup. Et puis, pour d'autres, voilà, mais ça ne dépend pas de nous. Voilà. En tout cas, tous les deux, vous êtes magiques. Dans le bon sens du terme, dans le sens lumineux du terme. Merci à tous. Bon. Voilà, merci à toi en tout cas, merci à Emmanuel. Et merci. Tu connais mes recommandations, tu revois ta vidéo, tu as compris qu'il y a énormément d'informations, que tu as des compréhensions qui vont s'affiner au fur et à mesure des écoutes. Et dans ces fameux moments de métabolisation où ça peut être inconfortable, n'hésite pas à refaire ta séance du début jusqu'à la fin, tout en sachant qu'au début, les entités ne sont plus là et que tu sois dans cette sécurité intérieure. Voilà. Absolument. Voilà, je répète à chaque fois, mais je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est important de l'entendre. Alors, tu sais, en tant qu'humain, on a des résistances où on comprend, on n'entend pas tout. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Bien, donc ben, j'espère que tu me donneras des nouvelles par mail, tu me diras comment les choses se passent pour toi. Absolument, tout à fait. Et ta séance, on peut la publier donc? Ah bah oui, absolument. En clair? En clair, il n'y a pas de souci. Magnifique.
Eh bien, écoute, on va te souhaiter une bonne météorisation. Hein. Oui, j'accueille ça comme un pur cadeau. Que tu t'es fait. Et, oui, mais vous y avez largement participé aussi. Hein. Mais j'ai vraiment ce ressenti, c'est quasi instantané. Hein. C'est vraiment, toutes les phases, là, je les ai vraiment vécues. Très bien. C'est super. Bien, écoute, j'attends de voir ce que tu vas savoir en faire maintenant. Ouais. À moi de jouer. À bientôt et à bientôt pour tes nouvelles. Eh ben, je n'y manquerai pas. Au revoir. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir.